Quand j'étais petit, je rêvais d'être pilote. Je me souviens que c'était magique de regarder les avions dans le ciel. Aujourd'hui, je suis pas pilote, mais j'ai la chance de travailler dans l'aéronautique. Je m'appelle Julien Tournier, j'ai 39 ans et je suis responsable des opérations. Bonjour. Allez, on démarre. J'ai commencé ma carrière ici, il y a 17 ans, chez Crane Aerospace and Electronics. J'avais fait un DUT en organisation et gestion de production, puis une école de commerce en alternance. En fait, mon job, c'est de mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que tout soit fluide, de la production jusqu'au service après-vente. Chaque jour, je m'assure que l'équipe est en mesure de produire des pièces parfaites, livrées dans les temps et au meilleur coût. Quand je parle de pièces parfaites, c'est vraiment le mot, parce que dans notre secteur, il y a des vies en jeu. Ici, on fabrique des jauges carburant et une jauge qui dysfonctionne, c'est un pilote qui pense avoir du carburant alors qu'il n'en a plus ou pas assez. Et je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Ok, c'est au point d'arrêter la ligne du coup ? Oui, je pense. Là, on manque de résine et on risque de prendre du retard dans la fabrication. Alors c'est à moi de trouver des solutions. Je dois garantir en permanence la continuité de l'activité. Il faut avoir le sens des responsabilités et savoir prendre des initiatives. Ça peut être stressant parfois, mais on apprend à gérer les crises avec l'expérience. Ouais, ben d'ici demain matin, quoi. Tu peux t'en charger. Génial, merci. Pour éviter les problèmes, on travaille aussi beaucoup en amont. C'est le but de l'amélioration continue. Moi, j'apporte ma vision globale de l'entreprise et mon objectif, c'est qu'on soit toujours plus performant. Donc, il faut améliorer nos produits, notre service, réduire les coûts, les gaspillages et assurer une bonne croissance, en fait. Responsable des opérations, c'est un poste central. Je suis en contact avec tous les services, de la production à la logistique, en passant par le bureau d'études. Impression 3D, impression 3D. Super, parfait. Sur une journée, j'alterne entre différentes missions. Faut savoir faire preuve de polyvalence et de flexibilité. Dans les années à venir, je me vois bien prendre la responsabilité d'un site. Ce qui est sûr, c'est que je vais rester dans l'aéronautique et que je vais continuer de rêver en regardant le ciel.